Bienvenue les Gémeaux pour ce tirage du mois de février 2021. C'est une guidance générale, donc je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour le compléter, qu'il soit de plus personnel. Bien sûr, vous ne prenez uniquement ce qui vibre en vous. Et si vous voulez une guidance plus personnalisée ou totalement personnalisée plutôt, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer comme d'habitude un petit mail pour cela. Nous allons commencer par une guidance générale avec le tarot de Marseille, suivie d'une guidance professionnelle et sentimentale avec un conseil du surrender. C'est parti, on va commencer par le tarot de Marseille sur votre énergie générale du mois de février, les Gémeaux. C'est la carte sans nom. Vous effrayez pas, hein, c'est une carte, si elle est en énergie, c'est une carte très positive. Aussi, en blocage, on a l'étoile. Et en clé pour en sortir, la maison Dieu. Intéressant les Gémeaux. Alors on va commencer par celle-là justement, par la carte sans nom. Alors la carte sans nom, si elle est en énergie générale, eh bien il faut le voir comme le fait que vous avez la capacité réelle à faire bouger les choses et à vous transformer pour changer les choses. Donc bravo les Gémeaux, je tiens à vous féliciter parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Donc bravo si vous sentez au plus profond de votre âme, de votre corps, de vos tripes, j'ai même envie de dire ça, que vous êtes capable du changement pour un meilleur, parce que c'est vraiment se dépouiller pour arriver à quelque chose de meilleur, donc oser le changement, donc bravo pour ça les Gémeaux, vraiment, je suis heureuse pour vous, parce que ce n'est que quand on sort de sa zone de confort que l'on trouve le bonheur et qu'on se rapproche plus de soi-même. On va voir tout à l'heure si c'est peut-être plus professionnel ou sentimental, ou peut-être les deux, je ne sais pas. En tout cas, il y a une énergie forte que vous avez peut-être déjà entamée les mois précédents, c'est possible aussi. N'hésitez pas à faire des commentaires par rapport à ça, à nourrir évidemment le tirage par rapport à votre propre expérience, ça aide aussi les autres internautes à pouvoir se situer. L'étoile en blocage, eh bien l'étoile c'est que en blocage ici, j'aurais tendance à me dire que vous n'arrivez pas à trouver votre place totalement dans un ou plusieurs secteurs de votre vie. Votre place n'est pas... En fait, oui, c'est vous qui n'arrivez pas à trouver votre place. C'est pas que les autres ne vous l'ont pas donné. Et je pense que c'est plus le problème d'un sentiment général, un sentiment qui vous appartient, je veux dire. Et donc, il faut que vous trouviez votre place. C'est super important. On ne peut pas être heureux si on n'a pas l'impression d'être là où on doit être. Voilà. Donc, c'est un peu votre challenge du mois de février. Et on va voir ce que le tarot vous conseille pour arriver à être à votre place, comme ici, on a cette dame qui est, si vous voulez, normalement, les étoiles, on pourrait dire qu'elles sont tout autour, hein, et elle est à sa place dans l'univers. Le tarot vous conseille, pour pouvoir trouver votre place, c'est la maison Dieu. Elle vous conseille d'arrêter de mentaliser et de passer à l'action. Maintenant, entre guillemets, ça suffit de vous poser 17 000 questions. Vous allez avoir des opportunités, vous allez créer des opportunités pour prendre votre place. En fait, arrêtez d'attendre qu'on vous donne votre place. Prenez votre place, soyez dans l'expérience, arrêtez de mentaliser. C'est vraiment ce qui ressort très très fort. Et en plus, ça va créer de la joie, ça va débloquer énormément de choses. En fait, il faut prendre votre place. Évidemment, il ne faut pas y aller avec un bulldozer et tout casser. Vous avez la finesse pour faire les choses intelligemment. Il n'y a pas de souci. Donc, faites-le avec votre bon sens et votre délicatesse. Mais prenez votre place. Maintenant, ça y est. Déposez vos valises. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Peut-être que vous allez déménager. Hein. Peut-être que vous allez emménager. Peut-être que vous allez changer de travail ou vous imposer au travail. À une réunion, vous allez peut-être vous affirmer tout d'un coup et tout le monde est « oh ». Et puis les gens vont juste dire « oh ». Et puis ils vont dire « ben oui, c'est juste ce qu'il ou elle dit ». Donc allez-y, allez-y. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts au changement, donc c'est top. Allez, professionnellement, quelle est votre énergie du mois? Ça c'est magnifique, hein, on est vraiment dans le changement. Hein. Ça c'est l'as de bâton. Un événement, ben dis donc, les Gémeaux. Presque envie d'être Gémeaux, moi. Le 6 de bâton en événement. En conseil, magnifique. On a l'équivalent de ce qu'on appelle le mât en tarot de Marseille. C'est un arcane majeur. Et ici, l'empereur, un autre arcane majeur. Ben, dis donc, deux arcanes majeurs et un as. C'est pas mal du tout. En professionnel, les Gémeaux, ça va bien se passer. Alors,
L'as de bâton, ça y est, vous êtes inspiré, vous avez la certitude, l'inspiration, et ça vous donne l'énergie de l'action. C'est une carte de changement, c'est une carte de début. Il faut voir dans votre milieu professionnel ce que ça veut dire, mais est-ce que c'est le début d'un projet, le début d'un nouveau travail? En tout cas, c'est une carte de début, le début d'une nouvelle attitude, peut-être. On parlait de la réunion tout à l'heure, c'est possible. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter en lien pour qu'on puisse alimenter le tirage. En tout cas, et vous avez l'Agnac, hein, ça y est, vous êtes prêt. Ce qui est chouette, c'est qu'en élément et en événement extérieur, vous avez le 6 de bâton, c'est-à-dire qu'il va se passer un événement pendant ce mois de février où vous allez pouvoir briller au boulot. Briller, mais briller, hein, être dans la gloire. Hein. Donc c'est vraiment une action que vous allez poser ici au mois de février, une opportunité qu'on va vous donner aussi. Et vous allez être étincelant, quoi. Vous allez cartonner. Donc j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à y aller, il faut y aller. L'énergie est là, la capacité est là. On vous fait une proposition, vous foncez. Vous foncez absolument, c'est super important. Parce que ça va vous donner, ça va redoubler votre énergie, votre confiance en vous. Toute expérience positive vous sert à l'expérience d'après. Donc vous allez garder cette impression de succès et ça va vous servir pour les prochaines fois. Alors au niveau de vos énergies professionnelles et des clés qu'on vous suggère pour le tarot, pour le professionnel, on a le mât et on a l'empereur. Alors le mât qui était avant, c'est une énergie de nouveau de début, d'action, de conviction. Vous êtes convaincu qu'il faut y aller et vous y allez. Vous avez plus la question, vous posez plus la question de savoir s'il faut le faire ou pas. Vous y allez et ben de nouveau, je vous félicite. Bravo. Parce que c'est un peu ça. Hein. Vous êtes prêt et alors vous avez l'action qui est en route. L'empereur, le 4, l'empereur, c'est une arcane majeure. Un arcane majeur, l'empereur, c'est un arcane d'action de nouveau. Et d'action et de certitude. Il maîtrise, il est sûr de lui, il ne se pose pas de questions, il y va parce que le plan est clair dans sa tête, parce qu'il est convaincu il est convaincu de ses capacités. Et du coup, il réussit, parce que quand on doute, on arrive beaucoup moins à cette carte-là. Et il met les choses en route. Donc, Gémeaux, chouette mois de février professionnel. Vraiment top, top, top. Au niveau sentimental, quelle est l'énergie que vous avez? Ici, c'est le 4 de coupe. L'événement, chouette, 10 de coupe, belle évolution. Et puis vous avez deux cartes qui viennent en conseil. Vous avez la lune et le 6 d'épée. C'est incroyable parce que ces deux cartes sont sorties plusieurs fois ensemble dans d'autres tirages. Il y a vraiment, je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, mais il y a beaucoup de synchronicité dans différents tirages, ce qui me fait dire, et je me répète si vous avez déjà vu dans d'autres tirages, mais allez voir, c'est vraiment un conseil que je vous donne, allez voir le signe astrologique de votre dulciné, votre amour de vie, la personne à qui vous voulez être, parce que là, il y a vraiment des croisements, c'est incroyable. Donc, on va rebobiner, et on est au 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, ben, j'ai envie de dire, les amis, Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voulez pas voir ce qui est à votre disposition? Vous avez une coupe qui est remplie, qui est lumineuse, qui est juste à côté de vous, et vous ne la regardez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, allez, allez-y, allez-y. Vous rappelez la maison Dieu? Vous vous rappelez? On passe à l'action, on arrête de se poser des questions, on arrête de dire oui, non, on y va. Ici sur les quatre, c'est évident, c'est celle-là. Regardez un peu. On vous tend la coupe, elle est là. Alors arrêtez de bouder, arrêtez de tergiverser. N'ayez plus peur aussi. On y va. Honnêtement, on y va parce que c'est dommage. Vous risquez de passer à côté de quelque chose. Et l'événement ici me fait penser à ça, c'est que vous allez avoir un petit coup de pouce du sort qui va en plus vous le rappeler que vous avez à vos côtés quelqu'un qui a la capacité de vous rendre réellement heureux, avec qui vous pouvez être heureux. On est en sentimental, donc on parle de ça. C'est peut-être aussi au niveau des amitiés. C'est peut-être au niveau des flammes jumelles, c'est possible aussi. Mais moi, j'ai tendance à croire qu'on est quand même sur du sentimental amoureux. Et cette personne va vous refaire une démonstration qui va vous montrer à quel point on vous tend une coupe qui est pleine de joie et de bonheur. Saisissez votre chance.
Je ne vais pas vous menacer en vous disant que si vous ne le faites pas, ça ne va pas aller, mais j'ai quand même tendance à vous dire, par définition, les coupes, on ne vous les propose pas non plus 15 000 fois dans votre vie. Je dis ça et je dis rien. En conseil, on a l'étoile, j'allais dire, là, on a la lune et on a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, il vous demande de nouveau de ne pas trop mentaliser, de laisser derrière vous vos inquiétudes et on avance. On avance avec des idées pour avancer, pour y arriver. Donc vraiment, allez-y, hein, les Gémeaux, ça ne va pas être facile peut-être, il y a peut-être des moments qui vont être compliqués, mais ça vaut la peine, on y va et on met derrière soi son mental. Ici, la carte de la Lune vous encourage à être plus dans l'émotionnel que le mental. L'émotionnel, c'est qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui me fait rêver. Et c'est ça qui va me guider sur la coupe qui est juste à côté de moi. Arrêtez de mentaliser, vraiment arrêtez de mentaliser. Hop, on écoute son ressenti, ses émotions et elles vous guideront. Elles vous permettront de voir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, de ce que vous ne voyez pas pour le moment. En conseil, pour ce mois de février, les Gémeaux, c'est dépasser l'ego. Ben, désolée, mais peut-être qu'en fait, il y a ici quelque chose en rapport avec l'ego. Hein. Si vous n'arrivez pas à voir ça, c'est peut-être parce que vous avez des freins qui sont personnels, d'un point de vue égotique, et qui vous font dire... vous savez, parfois, on a peur d'aimer, on a peur de se faire aimer, on a peur de se casser la gueule, et ça, c'est l'ego. Est-ce que vous avez peur d'y aller parce que vous avez peur de tomber? Mais moi, j'ai envie de vous dire, tout vous pousse à y aller, et on vous demande de mettre ça de côté. On vous demande d'être en rapport avec les autres, d'ouvrir votre cœur, et de cultiver la gratitude. Donc, voyez le positif. J'ai du positif, j'ouvre mon cœur et je vois et je remercie aussi d'avoir cette chance-là. Cette chance-là. Cette chance-là. Cette chance-là. Voilà, il y en a déjà pas mal des belles chances, les Gémeaux. Allez, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous souhaite vraiment de voir les belles choses qui sont à votre disponibilité, qui vous tendent les bras, en fait, tout simplement. Allez-y, foncez. Le mois, c'est un mois qui va vraiment et qui peut vraiment être très, très, très bénéfique pour vous.